Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jake sur Iva Sound Studio. Je poursuis la petite aventure sur la grande aventure sur Légende Pokémon Arceus. Où est-ce qu'on en était la dernière fois? On est remonté au temple du Mont Couronné là. On a eu quelqu'un qui a décidé de nous combattre et qui est important, qui a une importance liée à l'histoire. Ça s'est mal passé. Le combat a été échoué deux fois parce que je manque d'XP. Donc objectif du jour, aller chercher un peu d'XP. Essayer d'avancer un peu dans le Pokédex au passage parce que c'est important. Essayer d'avoir la 9ème étoile du clan des chercheurs là. Je sais pas là, comment on explique ça déjà. Et poursuivre la recherche des flammes et bien sûr des arbis. Sachant que les arbis, on est bien avancé, c'est juste que. Ils sont un peu cachés. Et les flammes, alors les flammes là par contre c'est un peu la galère. Mais on m'a donné une astuce, et Wedgeos qui m'avait donné une astuce, c'est d'aller farmer ça la nuit, parce que ça se voit de loin. Et c'est pas bête. Ce n'est pas bête du tout. Me revoilà à Rusty Cité. J'ai pas joué depuis la semaine dernière. C'était quand? C'était vendredi soir, je crois. Quelque chose comme ça. Donc où est-ce qu'on en est sur l'émission? Déjà. Là, tac. Il me manque le sériflore que je n'ai toujours pas, mais il va falloir aller chercher dans les arbres. Bon, les flammes, voilà, on fait ce qu'on peut. Et après, en termes de chiffres de mission, bon, alors, de 1, 2, 3, 4, 5, c'est fait. Jusqu'à 10, on est bon. 15, ok. La 17, elle est là-haut. 20, c'est bon. 21, 22. 21 et 22. J'ai que la 22, j'ai pas la 21. La 21 n'est pas là. J'ai pas la 21. 22, c'est bon. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, on est bon. Jusqu'à 35, c'est nickel. 40, 45, 50, 55, 60, on est bon. 65, 70, 75, 80, 85. 90. Il me manque la 91. Il me manque la 91. C'était quoi la 91? Attendez, parce que je m'étais fait des post-it. Bonjour Ando dans le chat, j'avais pas vu, pardon. Bonjour, comment vas-tu? Comment allez-vous le chat d'ailleurs? Bonjour Wedgeos, Wedgeos, j'ai même pas dit bonjour alors que t'étais dans le chat avant tout le monde. Pardon. Pardon, pardon. Alors, la 21, c'est. Ah oui, c'était lié au Monsieur Mime. Désolé, j'ai un peu la voix. Voilà, je me suis levé il n'y a pas si longtemps que ça, je sors de la douche. Donc j'ai pas encore la voix de radio, comme on appelle ça. Là, elle est pas là ce matin. Normalement, la voix du réveil, c'est une bonne voix de radio, mais pas ce matin. Là, ça s'entend que la voix, elle fait... Bref. Les flammes. J'ai mon compteur de flammes ici. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est Pokémon Diamant. Ça n'a rien à voir. Pokémon Diamant, c'était hier. On refait du Pokémon Diamant la semaine prochaine. Hein. Il y a encore des choses à faire, en fait. Ouais, la 21, c'est lié au Monsieur Mime. Il va falloir que j'aille chercher des Monsieur Mime. Donc bon. Je me régale à manger chinois, là, c'est MGC. Il est 9h du mat. Bon, chacun... En même temps, manger dès le petit déjeuner, c'est pas une mauvaise idée. J'aime bien faire des... Comment on appelle ça? Des brunchs. C'est rare quand j'en fais, mais j'aime beaucoup faire des brunchs. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Des fois, c'est utile de réfléchir. J'essaye de réfléchir. Alors, niveau item, j'en suis où de niveau item, moi? J'ai deux bols, 64 super, 84 hyper, bon, des masses. J'ai besoin de méga super en vol-bol de la mortitude, parce que j'en ai plus. J'ai pas mal de B, j'ai des potions, oui, j'ai beaucoup de rappel max. J'ai quelques rappels tout court. Potions, je... Ouais, on va dire que c'est bon niveau potion. Côté plaque. Bon, on n'est pas à côté de la plaque, justement. 15, 16, 17. 17? Attendez. 15. 16, 17. Putain. Il m'en manque une. Bon, il m'en manque une. Ok. Niveau XP. Typhlosion est pas loin de prendre de l'XP.
Musteflotte 74, Etoraptor, Luxray, Kadabra 72. Donc j'ai quand même pris un peu d'XP, mais j'aimerais bien aller au-delà. Et Dialga, qu'est-ce qu'il fout là, Dialga? Ah oui, je me souviens, c'était pour un truc. Mais je voudrais récupérer peut-être quelqu'un de plus important que Dialga. Donc on va aller checker un œil à mon roster. Trop bien les brunchs. Ah ouais, 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 les brunchs. J'aime beaucoup ça. J'en fais vraiment pas souvent, mais qu'est-ce que c'est bon les brunchs. Ça te cale pour la journée, c'est nickel. Bonjour, Pan. Non, je veux checker mes Pokémon à moi. Ah, ici, voilà. C'était où que j'avais casé mes Pokémon à garder? C'était pas là. J'ai pas trié mes Arbis, j'avais dit que je devais faire ça en off, je l'ai même pas fait. Ah, Boscara, il est... Oh, mais Boscara, il est 62. Boscara, il est 62. Je vais peut-être garder Dialga, en fait. Ah oui, et j'avais des... Il fallait que j'aille récupérer... Enfin, que je prenne cet Evoli et un autre qui doit être, je sais pas où, dans mon pâturage, pour faire un Octali et un Mantali que je n'ai pas. C'est vrai, j'ai 7 XP là à faire. Bah Dialga, tu vas prendre des vacances, tu reviendras plus tard. Hein. Tac, et on va te mettre dans le bon pâturage. J'aime bien que les choses soient classées. Je vais te mettre là. Ah, il est là. Bah tiens, l'autre Evoli. Voilà. Et Evoli, donc il faudra qu'il soit heureux. Que ce soit lui que je mette en farm en premier pour tous les petits items. Et en évolution de jour, ça sera un Mantali. En évolution de nuit, ça sera un Octali, si je me trompe pas. Tu préfères pas Palkia, toi? J'aime pas forcément. Enfin, l'un comme l'autre, Dialga Palkia m'intéresse pas forcément en vrai. Donc bon. Il y a encore plein de trucs à faire en fait. Il faut que je parte avant de spoil. Oui! Oui, là je suis déjà un peu loin du générique. Mais je suis quand même après le générique. Mais oui, l'histoire continue et il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc. Bon, allons-nous-en. Côté mission. J'ai dit qu'il fallait faire des Monsieur Mime. Et des Seriflore. Donc on va faire ça. Monsieur Mime, Seriflore. Hop, j'ai vu un truc. Revenez à la map. Ah, mais c'est la personne qui me demande ça. Bon, je m'en fiche. Alors, des Monsieur Mime et des Seriflore, je sais qu'il y en a dans les plaines. Donc on va dans les plaines. Je suis après le générique aussi. Punaise, t'as farmé, Ando, dis donc. T'as farmé? Je récupère les plaques. Je dois rebattre Arcana. Et il est chaud, sa maman. Alors, Ando, pour information, tu n'es pas obligé de rebattre Arcana. Regarde bien, je sais exactement où est-ce que t'en es. Regarde bien la carte, où est-ce que ça te demande d'aller. Tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux aller directement là où t'as besoin. Tu n'es pas du tout obligé de rebattre Arcana. Voilà. Parce que dans ce cas, oui, tu peux refaire tous les anciens boss. T'as pas noté un post-it sur toutes les évolutions d'Evoli? Faut surtout pas une attaque faite pour Noctali Mantali. Tout à fait, j'ai pas oublié. J'y ai pensé, j'ai pas oublié. Non, non, oui, non, Arcana... c'est hyper tendu. J'ai besoin d'aller farmer dans les arbres. On va farmer dans les arbres. Et j'ai besoin de mettre Evoli en premier, en fait. Voilà. Petite Evoli. Le Pokédex d'Evoli, d'ailleurs. J'en suis où, là-dedans? E. F. Evoli. Evoli niveau 10. Faut que j'en attrape. Sans qu'il me repère. 2. Que je fasse des vives attaques. 40. Voilà. Et apparence différente constatée. J'en ai qu'une. J'ai attrapé 15 Evoli. Bon, 10. Et les 10 sont de la même apparence? Sérieusement? J'ai pas eu de chance là. Bon, à plus MDR. Bon courage, Ando. Bah, en vrai, Ando, t'es pas si loin de là où je suis. Hein. Pour de vrai. Hein. Là, de ce que t'as pu voir dans mon Pokédex, il y a des choses liées à des quêtes bonus de précommande. Qui ne sont pas liés à l'histoire. Donc, c'est pas vraiment du spoil. Cresselia, d'accord. Le Pokémon qui ressemble à rien. Le Pokémon qui vient du futur. Désolé, mais moi, pour moi, Cresselia, le designement, je vois pas l'intérêt que ce soit un légendaire. Alors.
On cherche des arbres qui bougent. Que Evoli soit heureux. Voilà. Les monsieur Mime, je crois qu'ils étaient à la plaine Littorella. Par là-bas. J'en ai déjà croisé un, monsieur Mime. Je l'ai jamais capturé. J'ai vu des Mime Junior, ça oui, parce qu'il y avait une invasion de Mime Junior. Mais des monsieur Mime, je n'en avais pas croisé. Enfin, si, une fois, pardon, pas du tout. Une seule fois. Je ne l'ai pas attrapé. Donc là, objectif. Faire tomber un Seriflore quelque part. Ou la petite boule du Seriflore. Je sais plus comment il s'appelle. Seriboo. Choper un monsieur Mime. Prendre de l'XP. Et après, on retournera au Mont Couronné. Mais les arbres, ils bougent pas là. Pour l'instant, il n'y a pas de Seriflore. Là, on va croiser Ronron. Salut Ronflex. Au revoir Ronflex. Punaise. Les arbres, ils disent rien. Ils veulent pas que ça bouge. Non, toujours pas. C'est quoi ça? Ah, une plante. Toujours pas, hein? Bon, ça farme les noix grumes, c'est pas mal. Même si c'est pas ce que je veux. Essaye de lire le Zarbi qu'on rigole un peu. Oui, bien sûr, oui. Non, en vrai, faudrait que je m'en occupe aussi. Mais je crois. C'est quoi? C'est un cadabra, ça. Je crois que les Zarbi des plaines, c'est terminé. Je crois. Je suis pas sûr. Punaise, mais y'a rien qui tombe des arbres à part des noix grumes. Pour une fois que je cherche à ce que des Pokémon tombent des arbres. Se calme les gens, j'ai l'impression d'être aggro depuis la fin de l'univers. Ah, un arbre qui bouge. Ah, mais ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse pas du tout. Un peu plus. Normal, il y a que quand ça bouge qu'il y a un Pokémon. Il y a que quand ça bouge qu'il y a un Pokémon, d'accord. Ah, des Abras. J'en ai jamais eu des Abras. Pour de vrai. Où sont les Abras? Oh! Oh! Parfait! Un monsieur Mime! Je suis content. Là, vraiment, je suis content. Il y a des Mimes juniors au passage. Non! Bon, c'est pas grave. De toute façon, des Mime Junior, j'en ai déjà. Tritosaur, je veux pas en entendre parler. C'est quoi? Non, mais c'est pas ça que je veux. Il te donne une quête, monsieur Mime. Oui, je sais, c'est pour ça que je le veux. C'est pour ça que je voulais un monsieur Mime. Bon. Il n'y a pas d'arbre qui bouge comme j'ai envie. Donc on va aller se balader par là-bas.
Peut-être que là-bas, il y a des arbres qui bougent. Ah, là, il y a un arbre qui bouge devant. Du miel! Mais c'est pas ça que je cherche non plus. Non, en fait. Pas d'accord. Genre, je suis pas d'accord. Donc, météor. Une femelle. Ah, ah bon? Voilà. Évolis, prend de l'XP. Oh, bah tiens, je suis à 13 sur 15 des spécimens vaincus du miel. D'accord. Petite potion. Alors, niveau flamme de la plaine, j'y pense, là je suis à... Il m'en manque deux. Hein. Il me manque deux flammes de la plaine. Il tue la femelle. Choqué. Oui, mais voilà. J'ai pas, je n'ai aucune excuse. Aucune. Bon, on va aller chercher là-bas. En pleine nuit, si jamais je vois des flammes, faut crier. Vous voyez des flammes, vous aussi. Là aussi, il y a du miel partout. Ça, c'est un arbre qui bouge ou pas? Non, ce n'est pas un arbre qui bouge. Une flamme! Mais je suis passé 50 fois dans cette zone. Comment j'ai fait pour la rater? Je suis sûr qu'en fait, il y a des flammes qui sont là que la nuit. Hein. Elle est plus qu'une. Plus qu'une dans cette zone. Je vais le noter, ça, par contre. Il n'y a pas un pilote automatique, c'est dommage. Alors, une flamme dans les plaines. C'est quoi, ça, en bas? Des papillons, papillinox, papillinox, c'est des papillinox. Des arbres qui bougent, pardon, les gens, je cherche des arbres qui bougent. Non. Ce n'est pas des arbres. Les flammes sont toujours là, mais elles, le jour, elles apparaissent que quand t'es dessus. Sur Alto. Pourquoi les arbres ne veulent plus bouger? Là, en bas, ça bouge. Ah, mais attention, parce qu'il y a des insécateurs. Alors, vu qu'il y a des insécateurs, on va y aller doucement. Ah, il m'a vu. Gothiplosion. Ton niveau combien? 15. Sérieux? Je vais pas m'embêter, hein. Je vais attraper des insécateurs dans ce cas. De toute façon, faut au moins 30 Pokémon pour avoir un bonus de XP de Pokédex. Il faudra qu'à un moment donné que j'aille farmer quand même quelques compos pour crafter des bols. Il y a toujours besoin de ça. Oh là là, il m'a fait mal. C'est faux. Ok. Il y avait un troisième insécateur à côté. Ça bouge. C'est bon, ça va. Du miel! Génial. Alors, Evoli, vive attaque. De toute façon, tu dois faire des vives attaques. Je vais en profiter. Voilà.
Stead Hill, l'Evoli. Non, pas de suite, ça va. Alors. Arbre qui bouge. Ah, la musique, j'adore. J'adore, vraiment. C'est... Je l'ai dit la dernière fois, mais ça, pour moi, c'est musique de choix laser. Je savais pas qu'on pouvait lancer les Pokéballs comme ça. J'allais dans les objets. Ah, ça prend quelque chose. Oh, il n'y a plus la musique parce que je suis un peu jeune. Un baron! Il m'a vu. Ah non, il m'avait pas vu. Dernière flamme au passage. On est en pleine nuit, on devrait mieux la voir. En bas, il y a un l'euphorie. Je sais pas si j'en ai des l'euphories. Elle. L'euphorie. Non, je l'ai pas capturé. Génial, lance la Pokéball gratuitement comme ça là. Au secours. Si si t'en as. Ah bon? Bah pourquoi y'a pas la Pokéball à droite? Je vois oui en effet attraper un, mais pourquoi y'a pas la Pokéball à droite? C'est quoi ce. Pourquoi y'a pas la... Attendez, à quoi correspond la Pokéball dans ce cas? La Pokéball c'est le level 10 de recherche. Ah d'accord. Et je suis combien? 9. Oh bah attendez, on va faire un niveau 10 hein. Désolé. Non! Il m'a vu. Un peu de recul. Et on revient plus tard. Voilà. Il y a le Vénard qui dort derrière aussi. On va aller le voir. Oh dommage. Le jour se lève, ça va être plus difficile pour la flamme manquante. Lui donner à manger. Voilà, ça c'est fait. Allez, d'un niveau 10. Alors. Il y a des arbres rouges. Avalanche vénère.
à droite. Ça, ça ne bouge pas. Là non plus. Celui-là non plus. Peut-être qu'à certaines heures, en fait. Hein. C'est une supposition commune. Là, ça ne bouge pas. On va en face. Encore des ponitos. C'est le gros galopin aussi. Bah tiens, il est là. Ça galope. Non, par contre, c'est gentil. Bah, quand même, il y a plus d'arbres. Sérieux. J'ai quand même fait le tour de la map là. On va aller au milieu. Ou alors je me rapproche plus que ça. Donc quand même, ça se verrait. Ah, en bas. Et non. C'est un Shunity. Dommage. Evoli 26, yes, il a plus de 10 niveaux depuis le début des plaines. Ah, là ça bouge. Allez, relouchonique. Evoli, il est tellement petit qu'il est caché dans les arbres, on le voit pas. Alors, en fait, je voulais faire une attaque, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pas réussir à avoir le Pokémon que je veux. Pas réussir. Là, ça bouge pas. Entre-apercevoir un Abra, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. J'ai vu des Abra. Bah, ils sont barrés. Là, il y a... Je les ai vus, ils sont barrés. Ça pour avoir un sériflore ou un sériboo, tous les deux. Ah, ça bouge en bas. Et non, c'est un Shunity. Tant pis. Bon, ça monte les vives attaques, mais quand même. Où est-ce qu'ils sont? Là,
assez frustrant de pas trouver le Pokémon que je cherche. C'est même pas un légendaire quoi. Ah, en bas. En bas là-bas. Et non, toujours pas. Punaise. Au secours. Je cherche une stratégie pour avoir une série de quoi. Pokémon fleur dans un arbre en fleur. Et non. Pas ici. C'est assez frustrant. J'espère que ça pop pas que dans un seul arbre. Bah tiens les bras, ils vont m'attaquer. Ouais, il s'est barré. Et les bras, ils se TP avant même que j'arrive. Choper un bras, faut le pouvoir aussi. Faire le tour, tant pis. Hein.
là c'est quand même déjà une forêt plus dense. On devrait avoir un peu plus de chance. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression que ça veut bouger. Ça bouge ? Attendez. Non, c'est qu'une impression. Ou alors, faut que je cherche dans une autre région. C'est aussi une idée. C'est aussi une idée de chercher ailleurs. Il y a un colis là. Dans une... J'ai même pas regardé les colis en vrai. Il y en a un au milieu. Ouais, il y a qu'un seul colis au milieu. Ça va aller le chercher. Ah, il y a un oiseau là, c'est quoi ? Non mais j'ai déjà ça. Alors le colis est plus sur ma queue. Ah, je crois qu'il y a un combat là. C'est une dessert ça en bas. On va d'abord chercher le colis. Ah, je le vois. Aïe. Ah, mais c'est un rando. Ah, ben ça alors. Ok. C'est une des sœurs. Je crois que c'est une des sœurs. Ah non, c'est juste quelqu'un du clan Perle. D'accord, c'est bien le colis d'Ando. Objet perdu d'Ando. Ça alors. Ce hasard quand même. Bon. On attend que la nuit tombe, on refait un tour aussi pour choper la dernière flamme, si flamme il y a. J'arrive pas à... Là, il n'y a même plus d'arbres qui bougent autour. C'est ça le truc. Là, il y a un truc qui bouge, mais ça va pas être un sérifleur. C'est un caillou, ça. C'est pas... Mais voilà, c'est un racaillou. C'est pas intéressant. Un racaillou, c'est pas intéressant. Je le fais juste pour monter les îles d'attaque. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il va me démontrer. Bon, il veut même pas m'attaquer. Désolé, Rakali, ça va être peut-être. Bon, toujours à la recherche d'arbres qui bougent, punaise, où est-ce qu'ils sont? Il y a un minerai qui bouge, mais c'est pas ce que je veux. Un racaillou. Au moins, je fais pas tant de dégâts, ça permet une qualité d'attaque. Je prends le côté positif des choses. C'est quand même. C'est un peu. Il va falloir mettre une potion à évoluer d'attaque.
potion Evoli. Ah, il fait la nuit. Donc on va aller au point le plus haut. Voir si on trouve des flammes. Depuis loin. De nouveau un réveillon ici, je suppose. Ouais. Le retour du réveillon. J'aurais utilisé 20 fois le 40. Au final, ça va vite, hein. En vrai. Bon, alors. Where is la flamme? The flame. The fire. Une flamme dans la nuit, quand même. Je suis vraiment au point le plus haut. Donc là, ça va être un tour de la map. Vraiment un grand grand tour. En essayant d'attraper une petite lumière au loin, peut-être. Un phare dans la nuit. Oh, allez, je la vois. Je la vois. Et ça, pareil, j'y suis passé 50 fois dessus. Comment ça se fait que je les ai pas vus avant? C'est la dernière. La dernière flamme des plaines. Toutes les flammes étranges des plaines, je peux barrer ça sur mon post-it. Je suis content. Bon. Point Zarbi. Petit point Zarbi. J'en ai 22 sur 28. Et apparemment, on est censé pouvoir lire ça. Mais au secours, en fait. Comment vous voulez que je lise ça? Alors là, c'est une barre avec un... au milieu. Enfin, y a... Est-ce que je l'ai, ce Zarbi? Oui. Celui-là. Mais si c'est l'alphabet, ça fait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et les deux derniers, c'est point d'interrogation, point d'exclamation. Donc ça ferait T, T, E, T, E, celui-là c'est lequel? Le troisième là. T, E. J'ai pas l'impression que la troisième lettre de l'énigme je l'ai. T, E. Ensuite ça fait un truc comme ça. T, E. Un P. M, N, O. P. Ça y ressemble. Ensuite c'est un truc comme ça. O. Q, R, S, c'est un S, T, E, S. Après, A, B, C, D, E, F, G, H, un H. H, pardon. H, H, A. Je dirais que c'est un A. H, A. Celui-là, je l'ai pas non plus. M, peut-être. Tom. H. Amo. 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 Le dernier, c'est Amo. Et du coup, ça serait temps. Tam. Temp. Temps. Amo. Temps. Amo. Temps. Le clan diamant. Le hameau du clan diamant qui vit le temps. Le hameau du clan diamant. Le clan diamant, il est au marais. Donc le A serait au marais. Bon, allez. On rentre à... là-bas. Le A serait au clan diamant. Bonjour monsieur. D'abord les items. D'abord les items. Voilà. Là il y a deux choses à vendre.
poser un poil juste pour île tout le monde. Ouais. Faut faire du craft à un moment donné par contre, ça je l'ai dit. 6 Pokémon, ouais c'est pas énorme je sais. Mais j'ai mon Monsieur Mime. 5000, ouais. Combien de... pas d'XP, parce que ça va être très très peu d'XP. À 300, 330. Faut que je fasse 6000 hein. Ça va être ouf. Faut que je fasse 6000. Mais avant ça, la quête du Monsieur Mime. Evoli peut évoluer ou pas? Non, pas encore. Ah, il réévolue. Pardon. Un papier. Il réévolue. Je m'y attendais pas. J'ai hésité. Mais... bon, il me donne pas de quête. Ok. Jean-Charme a évolué. Dans le village. Ah bon, ça va. Garde. Il est. Il est. Et on va avoir la Madame des Flammes aussi. J'y ai pas pensé tout à l'heure. 86 21 9 à Marie Garmin, c'est ce que j'ai noté. 5 à Jackpot, c'est ce que j'ai noté. 2 au contrefort. Et 5 au Terres Immaculées. Donc ça j'étais à jour. Je le capture après. Salut Flostation, comment vas-tu? Installe-toi. Faut que je fasse le tour. Mais ouais. Je sais pas si je peux vraiment faire le tour. Là il y a des bûches, je peux pas passer. Parce que évidemment, on ne peut pas sauter. Ah. Ça va et toi? Ça va tranquillement, tranquillement. Ah, il s'est barré. Il s'est barré. Il est parti par là. Il faut le retrouver. Donc c'est un Monsieur Mime qui a volé quelque chose. Il est derrière le bâtiment là-bas. D'accord. J'ai dit que je voulais quand même récupérer mes récoltes. Punaise, on va faire ça après la quête. TP aussi. Le Monsieur Mime est là. Approchez-vous du Monsieur Mime. Je peux
pas le capturer, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ça me dit que je peux pas. Ah, mais il me... Oh, punaise, mais il me... D'accord. Faut faire le grand tour, en fait. Vu qu'il me bloque. Il fait son mur invisible. Ok. Ah, c'est bien pensé, c'est bien pensé. Est-ce qu'il y a Pikachu dans ce Pokémon-là? Oui. Oui, oui. Il y a des Pikachu, en effet. Il y en a pas beaucoup. Ils sont assez rares à trouver, mais il y a des Pikachu. Regarde, je montre. Et... M. Voilà. Les Pikachu. Il y a bien des Pikachu. Ah, mais il me bloque ici aussi. Pardon? Mais d'habitude, tu peux faire le tour du bâtiment. Il me fait troll par un monsieur mime, quoi. Comment faire? Je lui envoie un Pokémon, peut-être? Non, c'est pas comme ça. Ah, fallait juste contourner le truc, d'accord. Ah non, mais même pas! Mais... Monsieur Mime, sérieux? Comment est-ce que je peux passer là? J'ai envoyé une baie? Non, ça veut pas. Bah. Voilà, c'est quoi cette quête? Je comprends pas la quête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il dit le PNJ? Oui, le monsieur Mime est là, mais je l'ai vu. Hein. Même de l'autre côté, quand j'ai voulu passer de l'autre côté, le monsieur Mime m'a bloqué. C'est quand même étrange. Me bloque d'ici, pourquoi? Ah non, je peux avancer. J'ai pu contourner. C'est un labyrinthe de murs invisibles. Non mais c'est pas drôle le jeu là. Comment je fais pour passer? Il y a le truc qui me gêne. Il pourrait y avoir des indices visuels, quelque chose, et en fait, que dalle. C'est un... C'est... Si ça, c'est script, c'est mal... Pardon, hein, mais c'est mal foutu. Labyrinthe de murs invisibles, quoi. Oh. Il est parti par là. Ok, on y va. Tu as une façon vraiment unique, voire bizarre, de t'approcher des Pokémon. Tu as peur d'eux, tu peux me le dire. Il y a un mur invisible. D'accord, donc c'est bien script. Au secours. Il est où? Il est loin. Là, il m'a enfermé, en fait.
Comment je peux passer? Ah voilà. C'est bon monsieur Mime, c'est fini? Il s'enfuit encore. Et attends, attends, je te dis. Ah, il s'est pas enfui. Mais qu'est-ce que... Je peux plus avancer. Il y a un obstacle invisible juste en face de moi. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur Mime? T'as l'air tout paniqué. Oscar, tu connais ce monsieur Mime? Oui, il m'aide à garder l'entrée du village. J'ignore exactement comment ça marche, mais on dirait qu'il érige une barrière invisible à chaque fois qu'il fait cette danse bizarre. En tout cas, c'est bien pratique pour empêcher les Pokémon sauvages d'entrer dans le village. Comme il est docile et protège gentiment le village, je le laisse déambuler librement. C'était donc ça. Oh là 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 là. Tout ça pour ça, quoi. C'est bien, monsieur, bravo. Défense extra? Ok. Oui, reste là, monsieur Mime. Bon, allez, une quête de fête. Côté quête, normalement, je suis quasi à jour. On repart de suite. On repart. Non, j'ai dit les récoltes. Les récoltes en premier, les récoltes. Les récoltes. Il est où le PNJ des récoltes? Là-bas. Des noix grumes, enfin, okay. Des plantes médicinales, ouais. Go. Et on repart de suite. On va aller au marais. On va aller au marais. Ah, il y a plein de racailloux. On va au marais parce qu'il faut aller au hameau du temps, donc du clan diamant, pour choper le Zarbi A. Et au passage, si j'arrive à avoir... Bon, les flammes, ça on va faire au mieux, en plus il fait nuit. Et dans les arbres qui bougent, j'ai toujours besoin d'un sérifleur sérif. Bon, alors, point Zarbi. Le A, on a dit qu'il y avait écrit temps et hameau par rapport à apparemment l'alphabet. On m'a soufflé ça parce que je ne le savais pas. J'avais pas capté qu'on pouvait traduire. Mais là, la logique voudrait qu'il y ait écrit temps et hameau. Donc, le hameau du temps, c'est l'hameau lié au clan diamant. Donc, il y a un Zarbi qui est quelque part. Je veux dire, sur un bâtiment, sûrement. On va leur ouvrir l'œil. Les Zarbi, je les ai tous trouvés. Quasiment par hasard, parce qu'ils sont quand même positionnés à des endroits précis liés à de l'activité humaine quand même. Et là ici j'y suis passé plein de fois. C'est un peu frustrant de me dire que je l'ai pas croisé avant quoi. Punaise, il est ici. Oh là là, il était là. Comment j'ai fait pour ne pas le voir? Sérieux. Alors attendez, faut bien viser. Et voilà, c'était ça, c'était le A. On vérifie. Ouais, c'était ça, donc c'est ça, c'était bien ça. Ok, alors ensuite, A, B, doucement, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Alors le L, oh punaise, oh là là, le L, là c'est au secours quoi. C'est quoi cette lettre? C'est un C, C, A, C, A, S, C, A, S, C, casque, casca, cascade, avec un S, cascade. Le premier mot c'est cascade. Ensuite, c'est quoi cette lettre? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J. Cascade, un J. T, U. Ju. Ju. Et là il y a une lettre qui manque. Jume. Peut-être un M. Jumelle. Cascade jumelle. Cascade jumelle. Ensuite, c'est quoi cette lettre en dessous? Le mot du milieu. Cascade jumelle et le mot du milieu. A, A, B, C, D, E, F, G, G. Attends. Grotte. Cascade jumelle, grotte. Au milieu, c'est grotte. I, im,
Impasse. Cascade, jumelle, grotte, impasse. Cascade, jumelle, grotte, impasse. Cascade, jumelle, une grotte et impasse. Cascade, jumelle. Des cascades, il y en a au contrefort. Il n'y en a pas à la côte Lazuli. Il y en a peut-être. Il y en a ici des cascades. Il y en a dans cette zone. Est-ce qu'il y a une grotte dans cette zone? Il y a peut-être par là. Ouais, peut-être là-bas. Et on est la nuit. Il me manque combien de flammes au marais? 9 flammes. Je vais essayer de trouver un point en hauteur. Au passage, il y a des arbres qui bougent. Ah bah tiens, une flamme. Et là aussi, celle-là, je suis passé 50 fois devant. Comment j'ai fait pour la rater? Elle est plus que 8. Alors, cascade jumelle. Donc, il y aurait quelque chose lié aux cascades dans la zone. Donc, déjà, faut que j'arrive à retrouver les cascades ici. Ça, c'est une autre affaire. Ah, j'en vois une en bas. Je vois une flamme. Des dégâts, mais c'est pas grave. Que 7. Il y a un joli champ de fleurs là. Mais ça, pareil, j'ai beaucoup fermé ici. Comment j'ai fait pour rater les flammes? Mais c'est aveugle. Hein. C'est vraiment aveugle. Bah, allez, une autre flamme. Bon, celle-là, elle est déjà un peu plus cachée. Je reconnais que celle-là. Allez, plus que, je sais pas, 5, 6. 6, encore 6. Une flamme en bas ou un fantominus? C'est un fantominus. N'oublie pas, cascade, jumelles, grotte, cachée, tout ça. Là, il y a un petit lac, une petite mare. Il y a un tortipousse. Hop, 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 hop. Il y a un tortipousse. Comment je vais faire pour descendre sans qu'il ne me voie? On va essayer de le nourrir. C'est bon, tortipousse capturé. Ah, je suis content. Bon, le paras, je m'en fous. Bon, cascade, jumelle, grotte, impasse. Et des flammes, et des arbres. Où sont les cascades? Il y en a dans la zone, mais je sais plus du tout où elles sont. Ah là-bas en face, elles sont de l'autre côté. Un peu devant. Reprendre de la hauteur, sinon je ne peux pas voir les flammes. Cascade, une cascade en face, une cascade jumelle. Un endroit où il y a deux cascades face à face ou l'une contre l'autre. Là, je vais tomber dans l'eau. Cascade de lumière. Je reviens sur le lac là en plus. Ça doit pas être ici.
Ça doit être au contrefort peut-être. Ça doit être au contrefort. Bon. Des arbres qui bougent et des flammes. Les flammes, là, il commence à faire jour, ça va être un peu chiant. Mais je cherche toujours des arbres qui bougent pour mon cerebou seriflore. Hein. Où sont-ils? En plus, il va faire du brouillard, génial. Ah! Ah non, c'est Ada. Qu'est-ce qu'il fait là? Je lui ai déjà parlé, il devrait plus être là. Combien de flammes j'ai dit? 6. Je vais remettre la nuit, je pense. Et là, j'y vois pas grand chose avec mon brouillard. Allez, on repart. On repart. C'est pas le point le plus haut, mais c'est pas grave. On peut déjà chercher quelque chose. Peut-être que je peux chercher autre chose aussi dans les arbis. Hein. Je me suis consacré à une énigme, mais je peux en faire peut-être plusieurs d'affilée. Ça peut être plus intelligent. Donc ça, c'est le LM. Donc T... O, T, O, T, O, U, tout, 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 ah, il y a B, E, B, E, tourbe, tourbe, R, tourbe, oui, c'est ça, alors, tourbe, premier mot, c'est tourbe, ensuite, c'est A, R, B, arbre, arbre, tourbe, arbre. Ensuite c'est T, O, tombe, tourbe, arbre, tombe, tombé, arbre, tombé, tourbe, arbre, tombé. Tourbe. Voilà. Je sais pas de quoi le jeu me parle. Vraiment pas. Continue à prendre de la hauteur parce que je vois toujours que dalle. Ok, bon. Et maintenant, je cherche des flammes. Et des arbres qui bougent, mais il n'y en a pas. Tourbe, arbre. Tourbe, arbre. J'ai vraiment du mal à voir ce que ça peut être.
Ah, un arbre qui bouge. Pardon. Go Evoli. Et c'est un chenille. Punaise. Pas un truc à casser au milieu là. Non, c'est pas un truc à casser. Une flamme en face, non? Je vois un petit truc qui brille, je sais pas si c'est une flamme ou pas. J'ai pas l'impression. Si, non, peut-être. Ou alors c'est une flamme. C'est une flamme. C'en est une. C'en est une. Hop là. Et de 5. Enfin, et de 5, plus que 5. Pas agréable, on voit pas grand chose. Oh, la reine à Pitrini, je l'avais pas capturé, j'en ai besoin. Attendez, je sais jamais. Allez, croisez les doigts. Non! Pardon! Pardon, madame. Pardon. Normalement, elle me voit plus. Je suis caché. Vous me voyez pas. J'ai dit que je suis caché, punaise. Faut que je passe de l'autre côté. Faut que je passe de l'autre côté. Elle me voit encore ou pas? Non. C'est bon. Allez, on y croit. Non! Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Allez, ça c'est fait. Un Pokémon en plus dans le Pokédex. Bon! Toujours à la recherche de flammes de Zarbi à travers les énigmes, bien sûr. Et de. C'est quoi ça? J'ai pas capturé lui, je crois pas. Aïe. Alors.
On va se mettre correctement. Ou alors je l'ai déjà capturé mais je m'en souviens plus. Comment il tourne? Il fait un 8. J'ai l'impression qu'il fait un 8. Je suis peut-être un peu loin là en vrai. Oui, il est complètement raté. Ouais bon, ouais, ça c'est pas grave. C'est pas la priorité. C'est juste pour lancer 3 balles, c'est pas intéressant. Bon. Des arbres qui bougent, des arbis, des flammes. Comment faire plusieurs choses en même temps? Au secours. Remettre la nuit je pense parce que les flammes je les vois beaucoup moins bien. Mais vraiment beaucoup moins bien. C'est le tour hein mais. Ah, une bouée. Je les ai capturés eux déjà. Pas quelque chose ici. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce cas. Il n'y a pas ce que je cherche. Tant que ça bouge pas, c'est pas intéressant. Là, c'est vraiment de l'enquête, de la recherche. Là, il y a le pachyri, je suis énervé. Une des voleuses ça. Oui, c'est une des voleuses. Mais je suis à perte. Bon. Je suis loin, mais c'est pas grave, elle m'a vu. Bon. C'est l'heure du combat. Je suis pas sûr qu'Evoli fasse le poids. Mais pas du tout. Ça, c'est fait. Ça m'embête les volis du coup il est KO, il aura pas pu l'équiper. Il y a un arbre qui bouge hein, sur ma droite. On se trouve dans le même discours. Ninja.
Allez, des pépites. Oh, des pépites. Bien. Pardon, les ours, là, mais... Ah, l'arbre qui bouge, il est là. C'est un chenifi. Ça m'intéresse pas. Faut qu'appuyer vos lits. On s'en va. On va aller sur l'île. Remettre la nuit. Je vais chercher ces flammes, punaise, où est-ce qu'elles sont? Il m'en manque 5 ou 6. Chercher les flammes en hauteur, enfin sur la partie haute du marais. Il est temps de les chercher et la partie basse. Voilà. Oui, je sais que je peux pas les prendre. Je sais. Je voulais juste prendre de la hauteur. Là, il y a un Rishu énervé. Rishu que j'ai déjà, je crois. Lumineux dans la nuit quand même. Ça va se voir. L'onyx, là c'est un onyx vénère en plus. Pas grand chose, hein. Il y a vraiment pas grand chose. J'espère ne pas être passé devant, en vrai. Non, c'est pas une flamme, c'est juste... Là, en bas. Que 4. Non mais je veux juste prendre de la hauteur en fait, c'est pas grave. Plus que 4. 4 flammes. Mais ah, une en face. Mais comment j'ai fait? En plein jour, je suis passé à côté, mais vraiment à côté. Pourquoi je l'ai pas vu ça là? Et en plus sur la bouée quoi. Plus que 3.
casse. Plus que 3. Je vais essayer de reprendre un peu de hauteur. Voilà. Top. Bon, plus que 3 flammes. Là, une. Deux flammes dans la région. Et là, pareil, je voudrais prendre un peu plus de hauteur. Moi, je peux pas. Je n'ai pas le droit. Est-ce que je peux traverser là? Est-ce que le jeu m'y autorise? Voilà. Ah, j'en vois une! Il va falloir que je contourne. Merci le jeu. En plein milieu du lac. Ah ouais. Faut la voir ça là. Plus qu'une. Plus qu'une seule flamme. Allez, un point lumineux violet quand même, ça doit se trouver. J'espère que c'est pas dans une grotte ou quoi que ce soit, parce que là, même en hauteur, je pourrais pas la voir. Et là, en termes de grotte ici, à part les ruines, je sais pas. Attends, des plateaux tourbeux là. Tourbe, arbre mort. Y a peut-être un zarbi là-bas. Plateau tourbeux. Je relis vite fait le zarbi. C'était lequel? C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Non, ça c'est cascade, jumelle, grotte. C'est pas ça. Ça c'est quoi ça? Voilà, tourbe, arbre tombé. Donc on va plus se diriger vers en bas, tant qu'à faire. En espérant trouver la flamme, ça c'est pas gagné. Je sais pas si j'ai assez de hauteur. Tourbe arbre mort. Mais il y a que des arbres morts en fait ici. Va falloir y aller à pattes, hein. Va falloir descendre. Hein. De lumière violette. Donc il y a un zarbi quelque part là-dedans. Génial. Génial. Arbre tombé. Je le vois. Punaise, je le vois. Il y a le zarbi, il est là. Il est là. Hop là. Arbre tombé. C'est même pas arbre mort, c'est arbre tombé. Hop là. Et voilà, un zarbi supplémentaire. Mais il me manque toujours la flamme. Alors, zarbi.
Celui-là, c'est fait. Ça, c'est cascade jumelle, grotte, impasse. Ça doit pas être ici. Ensuite, on va recommencer à lire celui-là. Oh là là, 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 il y a du texte. Là, il y a du texte. C'est quoi cette lettre? C'est un F. F. F-O, faux, fond, fonte, fonta, fontaine. Le premier mot, c'est fontaine. Fontaine, D. Fontaine, D-E-S, donc D. Je suis en train de me dire qu'en fait, il y a une traduction dans toutes les langues, dans toutes les localisations des Arbis. Donc, fontaine, D. F. Et fontaine des fées. Des fées? Quelle fée? Et ensuite, c'est un C. C. G. H. H. Chat. Champ. Champ. Fontaine des fées. Champ. De. Flet. Champ de fleu. Champ de fleurs. Fontaine des fées. Champ de fleurs. E. C'est quoi ça? J'ai pas le P, je crois. Fontaine de. Épan. Un A. A-N. Anneau. Épano. Nous. Épanoui. Fontaine des fées, champ de fleurs épanouies. Champ de fleurs épanouies. Fontaine des fées, champ de fleurs épanouies. Alors là. Fontaine des fées, champ de fleurs épanouies. D'accord. Et là. Oh non, mais si je commence à tous les faire, par contre. Enfin, il en reste que 4 hein, en même temps. M, A. M, A, R. Mar. Mar. Marek, marécage, 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 marécage rouge, donc marée carmin, c'est ici. Là, il y a une lettre que j'ai pas, je crois. A, S, T, E. Vaste, peut-être un V. Vaste. Ar. Arbre. Arbre. Mort. Arbre mort. Marécage rouge, donc marée carmin. Vaste. Arbre mort. Vaste. Arbre mort. Et la dernière. S. O. Sous. Sour. Source. Source. Arbre. Mort. Source. Arbre mort. Bon, il y a encore des arbis ici, quoi. Vaste et arbre, un arbre mort. Il y en a partout des arbres morts. Marée écarlate. Plus marée écarlate, peut-être. On cherche toujours une flamme, des arbis et des arbres qui bougent. C'est la balle, Marie-Carlotte. Tout droit encore. Voilà, le Marie-Carlotte. Donc, marécage rouge. On a dit marécage rouge, vaste, arbre mort.
gros arbre mort. Il y a... il est pas là, là? Attendez. Si, si, si. Là, il y en a un, là. Ça, c'est un zarbi. D'accord, mais j'aurais pas cherché longtemps. Voilà, celui-là c'est fait. Bon, ici c'est cascade, jumelle, grotte, impasse. Là on a dit fontaine des fées, champ de fleurs épanouies. Et ici source, je crois que j'ai dit source, arbre mort. Arbre mort. On se calme, oiseau. Bon, je pense. Enfin, source, arbre mort quand même. Des arbres morts, il peut y en avoir partout. Hein. En attendant, il me manque encore une flamme. Donc, on va se poser. C'est quoi ça? Un cradopo. Bon, c'est pas grave. Ah, mais je suis un agro, il va pas. Je vais pouvoir me TP. Je voulais me TP, c'est pas grave. Je voudrais trouver quand même la dernière flamme avant de partir. Ok. Maintenant, on va se mettre à l'arène du théâtre. C'est quand même assez en hauteur. Hop. Et on cherche la dernière flamme. Dernière flamme. Ah ben je la vois. Elle est là. J'ai fait toutes les flammes de la zone. Nickel. Bon, bon, on se casse. On s'en va. Et on va aller à la côte. À la côte, il manque 5 flammes. Bon, j'ai pas attrapé énormément de Pokémon. Hein. On retourne au village. Bien. On va aller voir la Madame des Flammes. Après tout, je pense qu'elle va nous donner quelque chose là. Deux bonbons XP, cool. On vérifie. Toutes les flammes du marais. 5 à la côte, 2 au contrefort, 5 aux terres immaculées. 5 ? Ah oui. Bon, la direction la côte. Point Zarbi.
juste pour celui-là, là. Non, pas celui-là, celui-là. Source des faits. Non, c'est quoi? Pardon, attends, c'est pas source, c'est fontaine. Fontaine des faits. Là, je bug un peu sur ça. Champ de fleurs épanouies. Champ de fleurs épanouies, je pense aux plaines. Mais pour moi, les plaines, j'avais tous les arbis. Donc bon, fontaine des faits, on va voir. Ensuite, ici, c'est source arbre mort. Donc peut-être quelque chose ici. Et là, cascade, grotte et tout ça. Mais ici, je crois qu'il n'y a pas de cascade, en fait. Chemin de la source. Ah, ben chemin de la source, il y aura un zarbi là-haut. On va voir. Et il manque quand même des flammes de toute façon, donc. Hop, on prend de la hauteur. Voilà. On prend de la hauteur. Et on cherche aussi toujours, hein, bien sûr, des arbres qui bougent. Punaise. Ah bah une flamme, tiens. Non, là, elle est gratuite. Plus que 4 dans la zone. Je vais grimper Forfurex, par hasard. Cool. Quelque part, le chemin de la source est ici. Là-bas, il y avait déjà un zarbi que j'ai déjà récupéré. Ça, c'est les cascades. Fontaine des fées, champ de fleurs épanouies. Il y a des champs de fleurs ici. Chemin de la source. Il n'y a pas de champs de fleurs ici. Oh, une flamme! Plus que 3. Cratère, chemin de la source. Mmh. Il y a des fleurs ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des fleurs intéressantes. Fontaine des fées. Ça, c'est... je bug vraiment sur fontaine des fées. Je vais peut-être mal traduire, mais là, je sèche. Je sèche bien comme il faut. Peut-être une flamme au bout là-bas. Jamais. Non.
Va grimper dans ce cas. Quand on vole sur la mer, peut-être survoler une bonne partie de la mer. Alors par contre, si on a des flammes dans la mer, c'est vicieux. C'est vraiment vicieux. Ah bah il pleut en plus, génial. Et du brouillard, parfait. Tout ce qu'il fallait, là. Tout ce dont j'avais besoin. Ah, un arbre qui bouge, désolé, mission. Mission sur l'arbre qui bouge. Ah, c'est un chemin. Là, il y avait déjà un zarbi qu'on avait déjà attrapé. On voit que dalle. Il faut que se lève. Pour se lève, ça c'est pas bon signe. Pas bon signe. Bon. On va y remédier. Je suis. Ah, il y a un arbre qui bouge au passage. Parfurex. Merci. Et non, toujours pas ce qu'il veut. Hein. Bon, ça lui fait rien du tout. Ah là, oui, là, il m'a fait peur. Ok, bon, on rentre là-bas. Attendez, on regarde les colis au passage. Taper directement sur l'île. Non, on va pas voir Arcanin, j'ai pas envie. Bah tiens, poli gratuit. Et là, on observe. Flamme, est-ce qu'il n'y a pas une flamme au bord du volcan? C'est quoi ce qu'il y a en bas? Non, pas des flammes.
Il m'en manquait deux, hein. ça doit faire. Je vais reprendre un peu de plus. Il y aurait quelque chose sur le volcan, ça m'étonnerait. Je peux pas passer. Je ne sais pas. Ah oui, je peux pas aller. Ça m'interdit carrément. Je peux pas avoir d'aller sur le volcan. Ils ont mis un mur invisible à côté du volcan, quoi, sérieusement. Le jeu. Bon, il n'y a pas de flamme en haut du volcan. C'est sympa. Donc, car. Pas de problème violet, on fait demi-tour. Parce qu'elles peuvent être les dernières fois. Il y en a une là, non? Attendez. Non, c'était un Pokémon. C'est pas une flamme. C'est des Beaudrives. Les Beaudrives me trollent. Du coup. De nouveau à faire jour. Punaise. Ou alors non, c'est le brouillard qui se lève. Non, non, il fait encore une nuit. Il fait encore une nuit, ça va. Il y a un colis là. Une bûche. Une bûche. Je crois qu'il y a une flamme en face, mais je suis pas sûr. Et j'ai plus l'impression que c'est un reflet. C'est un reflet. Ah non, c'était l'attente. L'attente du monsieur. Dans l'eau quand même pas, non. Ils sont quand même pas dans l'eau. Il y en a une au milieu là, tu la vois. Il y a un arbre qui bouge. Plus que deux. Ah oui, deux quand même. C'est pas toi que je cherchais non plus. Punaise.
flamme supplémentaire et j'en cherche encore. En plus, comme ça évolue, il est heal au passage. Non, il pleut. Oh non, il pleut. Punaise. Pas la pluie. Pas la pluie. Une ou deux, il manque une ou deux flammes. Bon, il les arbitre, mais bon, ça. Je pense c'est plus dans les autres zones. Contrefort et terre immaculée. On va grimper ici. Pour reprendre de la hauteur. Je vais aller de nouveau en face, ah, tant pis. Ouais, presque rien. C'est fou ça quand même. Galérer autant à trouver des trucs qui sont censés être visibles de loin, même si c'est des petits trucs, c'est quand même lumineux, c'est des flammes quoi. De l'intérieur, même si j'avais déjà trouvé une flamme, je m'en souviens, j'étais même tombé de haut et la flamme était à mes pieds. À part des magmas, à part le flenard vénère. Remettre la visibilité, ça peut bien si le jeu.
On va aller voir les îles centrales. Et pareil, là, j'ai déjà passé des maintes et maintes fois. Pas de flamme ici. Aveugle, c'est pas possible. Ah, il y a un arbre qui bouge. Désolé, le devoir m'appelle. Punaise! Ce sont des lots de ce que je veux pas, quoi. Et le jour se lève, non. De toute façon, il va falloir il est voli, donc à un moment donné, il va falloir rentrer au campus. Ça m'embête. Même plus combien il m'en manque, hein. Je me suis perdu dans mon compte, je crois qu'il m'en manque deux. Une ou deux, il m'en manque une ou deux seulement. Allez, on rentre au campement. On va bien trouver quelque chose, hein. Là-bas. Je repasse plus en hauteur encore. Reprendre de la hauteur. Voilà.
ça, je suis complètement. Heureusement que j'ai trouvé la plupart des femmes quand même lors de l'aventure. Non. Bon, allez, ce que je veux. Et bah, c'est un peu niqué, hein. J'avais vu l'arbre qui tourne. Où est-ce qu'elle peut être? Oh, j'en vois une. Ah oui, alors ça là pour la voir par contre. Allez, c'est la dernière ou l'avant-dernière? Il en reste encore une. Il en reste encore une. On va reprendre de la hauteur. Il en reste une, punaise, une seule flamme. Pas mal d'arbres là-bas. Non, y a rien. Y a rien ici. Flamme en bas là? Non, c'est pas une flamme ça. J'ai passé en hauteur hein, tout à l'heure de ce côté. Donc c'est pas en hauteur. Enfin, j'espère pas, parce que je l'ai peut-être raté. On sait jamais. Une flamme, c'est une flamme. Je la vois. Je la vois, je la vois, je la vois. Je la vois. C'est la dernière.
Oh punaise. Il y en avait 5 à la côte. Hein. Elles sont toutes attrapées. On rentre au village. Et on va se diriger vers le mont couronné. J'ai 2 flammes en mont couronné à trouver. Ouais, je me repose vite fait. Je me souviens plus si quand on rentre au village, on est full heal ou pas. Bon, j'ai pas attrapé grand chose. Voilà. Sinon, je veux rentrer au village. Pardon. Retourne au village. Ça, cette VOD sera la recherche des flammes. Et donc, mont couronné, on va pouvoir se concentrer sur les arbres manquants. Il m'en manque 3 ou 4. Les arbres, il m'en manque 3. Alors, on avait dit. Cascade jumelle, grotte, impasse. Ici, on a dit fontaine des fées, champ de fleurs épanouies. Ça, je pense que c'est dans les plaines, mais je vois pas pourquoi. Pour moi, dans les plaines, j'ai fini en fait. C'est pour ça que je bug sur ça. Là, je sèche. Et ici, source, arbre mort. Je pense que source arbre mort ça donne dans le mont couronné. Tac, mont couronné. J'ai une quête au mont couronné en plus. Ah bah oui, le combat. Bah oui. Oh génial, la pluie. J'adore. J'adore la pluie. J'aurais peut-être. Alors on a dit mon. Il me manque 2 flammes en mon couronné. Les cascades jumelles, elles sont là les cascades jumelles. Elles sont là les cascades jumelles. On va relire les arbres là, attendez. Cascades jumelles, grotte impasse. Donc c'est dans la grotte. Ici. Dans l'impasse. Dans l'impasse de cette grotte, il y a un zarbi. Dans une impasse de cette grotte, il y aurait un zarbi. Allez là. Aïe. Il y aurait un zarbi ici. Oh, nos sphères qui m'énerve. Qui te m'attaque? Faire 60. Ah ouais, quand même. Il est pas brûlé. Vraiment désolé.
pas grave. J'ai quand même pas mal d'XP, c'est le principal. Bon, alors, il y aurait un Zarbi quelque part. C'est quoi là-bas? Je vois pas, c'est un Quatox? Non, c'est un Pokémon que je n'ai pas, ça. Zarbi, où est-ce qu'il est? Bah quand même. Zarbi quelque part là-dedans, bah alors là pardon mais... J'ai mal compris l'énigme peut-être. Ah! Attendez. Peut-être pas mal compris l'énigme. Ça y était pas. Je le vois. Ok, donc l'énigme était bonne. Celui-là il était bien planqué, je dois le reconnaître. Quoi? Ah quand même. Celui-là il était vraiment bien planqué. Ça. Et donc il m'en manque deux. Fontaine des fées. Qu'est-ce que j'ai dit? Champ de fleurs épanouies. Alors là. Oh les mélophées! Les mélophées, c'est... oui, c'est bon. Ok d'accord, je vois à peu près. Et j'ai dit quoi? Source arbre mort. Et là par contre c'est déjà plus compliqué. Est-ce que je peux me TP? Je peux me TP là-bas. Je rappelle qu'il me manque deux flammes aussi. Donc, deux flammes, deux Zarbi. Je me heal un petit peu et mettre la nuit. Est-ce qu'il serait dans le champ de fleurs, le Zarbi? Dans le champ de fleurs. Pour le trouver, waouh. Et deux flammes, hein, bien sûr. Sachant que les contreforts, c'est une zone qui est assez vaste. Trouver une flamme là-dedans, je vais m'amuser. Ah ben j'en vois une justement. Plus qu'une seule flamme. Ah belle, la dernière, voilà. Les flammes en 2-2, c'est fait. Toutes les flammes de la zone, nickel. Il me manque que Frimapic.
Donc je vais pouvoir aller chercher le zarbi et choper des arbres qui bougent aussi. Ici, il doit bien y en avoir des cériboux, cérifleurs, quand même. Bah tiens, regardez là, un arbre. Un cériflore. Parfait. Non, Evoli, non. Non. Oh, il s'est blessé. Direct à l'hyperbole. Par contre, j'ai pas de cériboux évolue en cériflore. Oh punaise. Cool. Parfait. Bon, on va continuer sur les arbres qui bougent, au moins pour essayer d'avoir le cériboo quand même. Ça bouge pas ça. Ah oui, là ça bouge. Ah mais c'est un chenisel, ça m'intéresse. À part pour prendre un peu d'XP, mais alors c'est vraiment c'est un poil d'XP quoi. Peut-être pas juste un poil XP, j'ai pris un peu d'XP quand même. Ah, un arbre qui bouge. Bon, alors on est sur des champs de fleurs, il y a des XP. Salut. Allez, encore le chenisel. Bien. Alors, il y a un zarbi là-dedans. Fontaine d'épée. Il est avec le Mélodel, en fait. Je suis sûr que ça va être ça. On attaque au Mélodel. Ouais. Ah, il est pas brûlé. Il est pas brûlé. Et il me paralyse. Ça, c'est pas cool. Ça fait mal. Volet d'explosion. J'aurais dû raise Evoli, il aurait pu le vite fait. J'ai pas pensé. Je vois faire des attaques électriques, est-ce que je sors? Je sors quand même mon Pokémon haut. Intelligent. Bon, alors apparemment il y aura un Zarbi là-dedans. Fontaine des fruits. Il sera en face peut-être. Oh.
est-ce qu'il est? Moi, fée, c'est Mélo fée. Ça peut pas être autre chose. Il y a un colis ? Non, il y a pas un colis, c'est une bûche. C'est une fontaine des fées. Peut-être en face, mais voilà. Ah ouais, il y a d'autres sons de fleurs ici. Les arbis, quand même, ça se voit. Il y a notre vénère. Oh, je le vois. Ok, je le vois. Je le vois. Mais ok. Attendez, je panique un peu. Voilà. Hop là, je l'ai vu. J'ai vu le zarbi, hein. Je l'ai vu. Ok. C'est juste histoire de ce heal. On l'attaque, ça fera d'XP. Ah punaise. Non, 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 pas ça. D'évoluer encore. Avant que je fasse une bêtise sur Evoli, je voudrais penser à une chose, c'est lui enlever l'attaque fée. Gestion des capacités. On va... Oh, je peux faire que ça. Quoi. Voilà, enlever l'attaque fée. Sinon, il pourra pas évoluer comme j'ai envie sur Noctali ou Mentali. On vérifie, gestion des capacités, il n'y a pas d'attaque fée partout. Ok, bon, mon zarbi. T'es bien planqué, toi. Nickel. Et enfin, le dernier zarbi. On a dit, il y a marqué source. S, O, source. Oui, c'est ça. Arbre. Mort. Source. Arbre mort. Source. Ici. Un arbre mort. Est-ce que déjà c'est ici? Ça, c'est la question.
Est-ce que ce serait là? Est-ce que ce serait pas là-dedans, à Frimapic? Est-ce qu'il y a une source à Frimapic? Non, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source à Frimapic. Donc j'aurai tous les arbitres Frimapic. Étrange. Un arbre mort. Source, arbre mort. Ça peut être n'importe où en vrai. Ça peut être vraiment n'importe où. On n'est pas du tout sur des arbres morts. Et on sort de la source. Je vois plus rien avec la pluie. Je vois vraiment plus rien. Mais là, il y a un arbre là, par contre. Il est mort ou pas? Non, il est juste pas très feuillu. Mais ça serait deux arbis qui passent très loin l'un de l'autre. Donc je pense pas que ce soit là. Hein. On va voir s'il n'y a pas d'autres sources ailleurs. Au marais. Il n'y a pas de source. Il n'y a rien qui dit que c'est une source. Dans la côte. Il y a chemin de la source. Ah. Chemin de la source. Et ici, punaise, il serait là-bas. Il y aurait un arbre mort ici, quelque part là-dedans. C'est le point d'exclamation. Source, arbre mort. Oh là là. Au secours. Attendez 2 secondes. Non. Ce serait ailleurs. Bon. Qu'est-ce que je fais ici à part... Ouais, je sais qu'il y a un combat à faire pas loin. Mais j'aimerais avoir un cerisier. Pour ça, j'ai besoin d'arbres qui bougent. Peut-être remettre le jour quelque part. T'as attrapé lui? Je m'en souviens pas. Je crois que oui. Je crois que je l'avais attrapé. Hein. Où est-ce qu'il est? Il est un peu loin là. On va attendre qu'il revienne. Je crois que je l'avais attrapé. Il a pas envie de revenir. Ah, il passe loin. Ah, il a des pop. Il s'est barré. Ah, il s'est carrément barré. Bon. Je vais me soigner. Et on va mettre un peu de jour. Voilà, on y verra un peu mieux. Et on va chercher des arbres qui bougent. Ah bah, y en a un arbre qui bouge là.
C'est pas ce que je cherche. Cériflore, je l'ai, hein. Ça c'est clair. Mais pour le Pokédex, c'est un Cériboo dont j'ai besoin. Je l'ai pas lui en bas par contre. Il m'a vu. Punaise. Ah punaise, il m'a vu. Ça fait mal ça. Mais j'arrive. Bon, c'est pas grave. Je viens d'en attraper un, hein, c'est pas grave. Là, lui je l'ai pas en face. Lui, c'est clair que je l'ai pas. Est-ce qu'il va réagir ou pas? Parfait. Rhinastock. Oh l'XP! Ah ouais. Bien l'XP, bien. Ça aussi, nickel. On retient aussi les électèques tout ça, hein, que j'ai eu beaucoup de mal à attraper, voire pas du tout. Allez, ça c'est fait. Ça fait d'XP d'attraper des barons. Ça c'est un baron ça? Non, c'est pas un baron. Ça oui, par contre. Il y a le nez là, c'est un baron. Lui c'est un baron. Oh, sur la tête. Parfait. Oh, là, faut m'expliquer ce que je fais comme ça, par contre. Je vole, je suis Jésus. Je suis Jésus, hein. Pardon. Mais... Jésus sur 20. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Point d'XP, 73, 75. J'aimerais bien monter 75 pour tout le monde. Il me manquera un dans le roster à monter 75. Il y a un baron là. Je vois pas. Ouais, il y a un baron. Alors pour l'attraper de la hauteur, là, il va falloir bien viser. Ouais, vraiment bien viser. Par là. Il
Voilà. On va lancer une baie par là. Est-ce qu'il va réagir ou pas? Le truc c'est que là je vais me prendre les branches. Et que je vise beaucoup trop loin au passage. Ah, il y a un Pokémon dans le buisson, je l'ai même pas vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Bon, j'attrape un Slurplane, mais il m'a vu quand même. Ah, c'est dommage. Ah, touché. Touché. Oh, punaise. Ça a fait poc. Oui, bien sûr, oui. En hauteur. Bon, il m'a vu. Ça a rien, il m'a vu. Faut que je me casse. Danger, là, il y a danger. Ah. La panique. La panique. Bon, Stylix en bas, on l'a déjà eu, hein. Il nous a déjà fait mal. C'est bon. C'est bon. Ça se calme. Parfait. Je vais remonter, on va essayer d'aller voir les Electek. Un arbre qui bouge. Non, j'ai eu un doute, mais c'était le vent. Ah oui, ils sont encore plus hauts les Electek, beaucoup plus hauts. Oula, oula, oula. Pardon. Pourquoi à chaque fois il y a le nom? Ah.
Mais c'est pas possible. Comment il fait pour me voir? Aïe. Ah, il y a un arbre qui bouge en bas là. Oh, j'étais trop loin. C'est dommage. Bon, point sur les électèques et tout ça là, les éléquides. En E. Je sais plus ce que j'ai pas. Éléquide, j'en ai. Électèque, j'en ai. Éléquide, j'en ai. D'accord. Faudrait que j'en attrape deux autres. Ça me ferait le Pokédex. Qui va réagir en premier, Électèque ou Électèque? Genre il m'a vu. Allez, bouge. Tout à l'heure tu viens de la manger l'abbé quand même. Je vais me mettre là. Ça a l'air sympa. Ah. Genre, je peux pas aller là. Où est-ce qu'il faut que je me mette dans ce cas? Aïe. Je vais lui dire d'aller là-bas. Et moi, je vais essayer de le contourner. Non, il a pas envie. Il a pas envie. Il est super dur à attraper. Pas réagir, punaise, non. Mange. Oui. Oh. Bon, ben, je crois que je vais être obligé de le combattre. Je vais pas avoir le choix. C'est parti. Et les câbles. N'attaque pas en premier. Kadabra. Allez, stoppé, pas capturé. Ah bah d'accord.
de demander. Plein d'XP partout. C'est pas suffisant, mais plein d'XP partout quand même. Evoli ne veut toujours pas évoluer. Me fait voir. Bon. Au moins, il y a de l'XP. 73, 75, 73. Bon, on va faire régène, évidemment, mais. Je suis presque 75 sur les Pokémon que je voulais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, bah tiens, le campement. Comme ça, tout le monde se déjeune. Et on va faire un peu de tri là-dedans. Ça, je dis que je voulais le vendre. Ah, j'avais déjà quasi plus de place. Ça, ça va là-bas. Et là, il y a de la vente à faire. Maintenant 51, je vais en prendre 20, 5, 30, 40. Des super, je vais laisser comme ça. Rappel 14, rappel max 15, potion max, j'en ai que 20. Guérison, total soin, guérison 3. Ça, par contre, je vais en prendre 7. Tellement cher, ça coûte tellement cher. Bon, tout le monde est heal. Cherchons des barons. Il y a un colis pas loin aussi, là. L'idée c'est quand même de prendre de l'XP là. Des Voltorb. Je crois qu'il y a un baron en bas. Pas sûr. Non, c'est pas un baron. C'est juste un rhinocorps. C'est pas un baron. Des chats comme ça, des furets, je crois que j'en ai pas. Il me semble pas. Il y a un colis là ? Non, c'est une bûche. Farinor. Ah, bah il y a de nouveau le nez. Dommage, dommage. Mais ils font tous la même attaque, les barons, ou quoi? Et de 4. Et de 4, c'est pas mal. Allez, la pluie, punaise. Je
embêtant à chaque fois. Donc on va pas le faire. Par contre, Léoko, j'aime beaucoup. Yes, c'est au coup, je suis content. Une corne, c'est bon. Toi, t'es pas content, toi. Onyx, il est pas content. Tort de douleur, il y a un torticolis. Désolé, Onyx. Un autre Ryoko là-bas. Allez. On va quand même faire le Steelix. Pas monter 74, 75, hein. Ils veulent pas. Il y avait un Ryoko, mais il s'est barré. Sur le Onyx. Il y a un Rhinocorne qui... Non, j'allais dire il dort, mais en fait il dort pas du tout. Ah, Evoli peut évoluer. Je dis oui. Alors attends, d'abord on fait le point sur les cadeaux. Les objets perdus, les colis. Evoli, on vérifie avant la gestion des capacités. On est bon. On le fait évoluer. Je sais même pas si on est le jour ou si on est la nuit. Mais bien sûr qu'on fait évoluer Evoli. Noctalie, oh yes, Agro Noctalie, super, je suis content, je suis vraiment content. De suite, je lui enlève copie pour lui mettre vibre obscur et aboiement à la place de charge. Voilà. Cool. Eh ben direction le campement. On va changer de Evoli. Ça sera fait. Et on va heal tout le monde au passage. Donc maintenant, le prochain Evoli, il faut qu'il évolue que en jour. Bonjour monsieur. Je voudrais voir mes Pokémon. Il y en a un là, tiens. Mais c'est le bordel là en fait, j'y pense là. C'est le gros bordel. Mes évolutions elles sont très mal rangées. C'est le gros bordel. On s'approche du pâturage des légendaires là. Au secours. Bon. Je vais quand même te déplacer correctement. Ici.
Et j'ai mon Evoli en dessous qui est là. Le nouveau Evoli. Est-ce qu'il a des capacités fées? Oui. Et oui. Ah, je peux pas lui enlever quoi que ce soit pour le moment. Ok. Donc il faudra y penser après. J'ai des choses à vendre, apparemment. Oui, j'ai ça à vendre. Il y a des choses à poser aussi. Voilà. Ensuite, côté XP. J'aimerais bien qu'ils XP au moins 75 tout seul. Et pour ça, on va aller à Primatic. Ma pique, j'ai 5 flammes à trouver. On va rendre la mission aussi au passage. La 17. Monsieur Mi, il faut que je le barre. J'ai une mission à rendre. Tac, Y. Et voir les madame des flammes, la madame des flammes aussi. Madame des flammes, elle est à côté, on va la voir en premier. Hein, c'est pas là. Toi. Voir madame des flammes. Trois rochers forts. Il reste combien de flammes? Alors. Toutes les flammes de Russicité, toutes les flammes de la plaine, toutes les flammes du marais, toutes les flammes de la côte, toutes les flammes du contrefort. Il me reste 5 flammes aux Terres Immaculées. Ok. On va bien faire ça dans cette session de stream. Hein. Tout. C'est pas ouf hein, ce qu'il m'a donné là. Faut up le Pokédex de série Fleur. Sérieux? Sériflore. Il faut en attraper. Il faut en vaincre. Et il faut qu'il fasse Danse-Fleur et le style rapide. Danse-Fleur et style rapide. Bon ben, Sériflore, faut... Ouais, bah c'est pas pour de suite, Sériflore. Hein. Je suis déçu là. Là vraiment. Je suis déçu. Bon, oui, on va ici. Il me manque un Zarbi. Je vais, allez, on va supposer qu'il est là-dedans avec un coup de chance. Il manque 5 flammes et il faut de l'XP. Alors attendez. Source, arbre mort. Source, arbre mort. Mais si, là, il y a la source. Ok, ok. Non, il y a un truc là. Il y a un truc. Il y a un truc derrière moi. C'est derrière. Quelque part par là. Il y a plein d'arbres morts en plus.
Oh punaise, je vois. Je le vois. Et les arbis, c'est fini. Hop là, tous les arbis, c'est fait. Nickel. Je sais pas ce qu'il faut en faire maintenant. Pour de vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Bon, bah il reste les flammes. Et un ronflex ? Pardon ? Il peut y avoir n'importe quel Pokémon ici ? Bon bah... Bon, on a vu le ronflex. Bon, les flammes. Il va falloir se mettre en hauteur, chercher des flammes. Il y en a 5. 5 flammes à trouver. Sur toute la zone. 5 flammes. Punaise. Et cette zone est quand même assez grande aussi en vrai. On va commencer par en dessous. Il y a un arbre qui bouge. Bon, l'objectif ici, donc finir les flammes et si il y a des barons, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour battre ou attraper les barons. On est en plein jour là ou on est en... Non, c'est le jour. C'est le jour. Ok. On va peut-être mettre la nuit, en vrai. On va peut-être mettre la nuit. Sur le point le plus haut. Pas du tout. Ah, il y avait une double cascade, j'aurais pu me tenter là d'aller sur une des ennemis. Mais non, mais il y avait un zarbi là-haut, ça aurait pas fait ça. Un zarbi là-haut d'aller. Ah, j'en vois une. Plus que 4. Plus que 4.
dans les grottes, en dessous, dans les souterrains, là, je ne semble pas avoir vu de flammes, en vrai. Cette entrée de grotte là, je l'ai pas notée. Attendez, je me mets au-dessus. Je l'ai pas noté celle-là, là. Il y a quoi ici? Non, oui, c'est la sortie de l'autre grotte. Je l'avais pas noté. Autant pour moi. Autant pour moi. Peut-être reprendre de la hauteur. Je viens de descendre. Oui, oui, c'est la sortie de l'autre grotte. Ah, une flamme, une flamme, une flamme. Celle-là, par contre, pour... je sais pas. Elle est un peu cachée, mais j'aurais pu la voir avant. Une entrée de grotte ici aussi là. Avec le noce d'enfer. Que j'avais pas. Punaise, j'ai failli tomber. Un noce d'enfer, j'ai pas attrapé encore. Flamme, attendez. Doucement, doucement, doucement. J'ai pas l'impression qu'il y ait de flamme ici. Et probablement déjà. Peut-être en dessous. Non. On va peut-être essayer d'attraper le monstre en fer. Il passe assez près du glacier là. Son petit tour. J'étais trop lent. De Pokédex. Ah, une flamme en bas. Je
plus que deux. Les tempêtes de neige, je ne vois rien. Que deux. Où sur la carte? Là, il y a une caverne là que j'avais pas noté. Celle-là. Je l'avais pas noté, celle-là. Hop là, je suis pile au-dessus. Je sais même pas si j'avais déjà mis les pieds en vrai. C'est tentant. Baron. Je n'ai pas attrapé d'ailleurs ce baron là. Si je l'ai attendu. Martique 72 hein, quand même 72. Mais l'XP avance. Il n'y a pas de flamme ici. C'est juste une petite grotte pour un baron, d'accord. J'ai dû y passer. J'ai dû me faire des. Je vais que passer. Bon, il fait jour. Il fait jour et je crois qu'il me reste deux flammes. J'en avais cinq. J'en ai attrapé une, deux, trois. Merde, je sais plus. Il me reste deux ou trois flammes. J'aurais dû le noter. Et là, je suis à l'avalanche. Capacité Evoli, pardon, mais il faut pas qu'il ait de regard touchant, donc voilà, comme ça c'est fait. J'ai vu qu'il avait pris un niveau, voilà, nickel. On vérifie quand même, mais c'est bon. Maintenant il faudrait le faire évoluer deux jours. Bon, les flammes.
J'ai vu un maconnier sympa là. Aïe, c'est qui m'a aggro. Sérieusement les gars. Pas cool ça, hein. Vraiment pas cool. Va se retourner ou pas? Trop tard. Ça sera trop tard. Non, c'est bon, c'est pas trop tard. Allez. Non! Dommage. J'ai pas encore de ma cognure. J'aimerais beaucoup en avoir un. Allez, critique. Oh. Il m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. On y croit. Faut que ça passe. Yes, ma cognure a frappé. 74, 76, 74. C'est bien, ça avance, ça avance. Bon, va falloir peut-être que je reste quelqu'un. Mais ça avance. Bon, les flammes. J'ai dit qu'il m'en manquait 2 ou 3 des flammes. 2 ou 3. On est toujours en pleine nuit. Hein. Il neige, mais c'est toujours la nuit. Ah, il neige plus. Le matin va arriver. À côté du campement, je vais en profiter pour soigner tout le monde, enfin tout le monde, Luxray surtout. Ok. Chaque fois, je fais le coup de bouton, c'est chiant. Je sais pas, je vais mettre mes doigts sur la manette. Ah ah, je crois que je... oui, il y a une flamme, il y a une flamme. C'est un là pour la rater, comment j'ai fait, quand même. Allez, la dernière, encore une, ou il en reste encore deux peut-être. Plus qu'une. Plus qu'une seule. Oh, trop bien. Plus qu'une seule flamme. Alors par contre, où est-ce qu'elle est ? Ça, c'est une vraie question.
Il y en avait une dans le temple que j'ai déjà. Donc, par supposition, il n'y en a pas d'autres. J'espère. Vraiment, j'espère. La dernière flamme. La dernière flamme des dernières flammes. Où est-ce qu'elle peut être? J'ai déjà fait le tour, hein, mais il faut recommencer. Il faut le refaire. Oh putain. Où est la dernière? J'ai déjà fait ce tour là, je l'ai déjà fait. Hein. J'espère que je suis peut-être pas trop haut en vrai. J'espère pas. Mais je vois quand même les items au sol, donc c'est... la flamme doit pouvoir se voir quand même. Là-bas en face, on y est déjà allé. Elle est pas dans le canyon quand même. M'étonnerait. Je suis allé dans le canyon plusieurs fois. Dès le début du jeu. Enfin, dès le début de la zone, pardon. Là, la seule solution, c'est vraiment ce tour-là, je trouve pas la dernière flamme, c'est qu'elle est dans les grottes, dans les cavernes, dans les cavités, là. Il y en a une, là, cavité, que j'ai pas... Je la vois, la flamme, je la vois. C'est bon, je la vois. Mais avant de la prendre, je vais noter la cavité qu'il y a ici, que je n'ai pas noté avant. Il va y avoir un baron à l'intérieur. Je le mets au-dessus. Voilà. Tac. Je l'ai noté, hein. Oui, c'est bon. C'est bon, je vois la dernière flamme. L'ultime flamme. J'ai fini. Ah, trop bien. Bon, j'aimerais faire, avant de retourner au village, un dernier baron pour monter un poil d'XP. Juste un dernier baron, quelque part. Il y en a partout, des barons. Faut juste les trouver. Bah, dans la cavité, là, que je viens de trouver, en fait. Vu que je suis pas allé dans cette cavité, autant y aller. Il y a bien un baron là-dedans. Tout le monde au passage. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh! Il me suit! Au secours! Je suis caché, tu me vois plus. Evoli, va casser le caillou.
Qu'est-ce que ça mange? Il me voit, punaise, non! Ouais, d'accord. Direct. Et voilà, un Zorua attrapé. Attrapé la nuit en plus, ça fait des tâches Pokédex, parfait. Bon, à la base, je cherche du baron quand même. Normalement, il y a un baron qui traîne pas loin des glaciers là-bas. Normalement. Mais il y en a un là, tiens. Il y a un baron ici. Fallait que je me fasse voir, hein. Sérieusement. Qui m'a aggro? Ça c'est idiot. Ça c'est vraiment très idiot de ma part. Ok. Il y a un chaffreux aussi. J'en ai pas beaucoup des chaffreux. Bien sûr. Bon, ouais, c'est pas grave, chapeau, on laisse tomber. À la base, c'est pas lui. Allez, 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 allez. Nickel. Purée, caché. Et il veut pas passer 74 à Luxray. Punaise, il est capricieux. Ah, le Seracrol. Il y a deux Seracrol. Je pensais qu'il y en avait qu'un, mais en fait il y en a deux. Nul. Nul. On va essayer l'autre. Décidé que je pouvais pas les attraper. Il est où l'autre? Il s'est barré. Il s'est barré. Allez, grelasson, capturé. Sale gamin, capturé. Ah, Seracrol, il a pas envie. Au combat. Ah, ça y est, il y a des niveaux qui se prennent, enfin. Ah, dommage.
Allez, on nique la ligne, c'est fait. Y a pas des gros Pokémon encore. Bon. On va rentrer. On rentre. On pose des items. Voilà. Là, faut que je déplace. Ah non. J'ai deux choses à vendre. Faire des achats. Non, 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 non. J'ai failli faire une énorme bêtise. Ok. Maintenant, je réorganise mes sacs. Il faut les réorganiser par là quoi, c'est vrai. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'elle fait là, la Pokéball? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? J'ai pas mal d'XP là-dedans quand même. Je vais peut-être m'en servir en vrai. Je vais m'en servir. Total soin. Je laisse là. Attendez. Tac, voilà. Ensuite. Qui est prêt? Luxray. Il va prendre un super bonbon. Direct. Voilà. Là, c'est du SMXL. Qui a besoin de XP XL? 74. Et toi, Raptor? Ah oui. Kadabra. Voilà. Ensuite, XPL. Toi. Voilà. Ok. XPM. Toi. 76. Toi. 76, toi, 76. Il m'en reste 3. Donc, toi, 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 et enfin S, toi, et toi. Ok. Donc là, j'ai Typhlosion, Musséflotte, Tutoraptor, Luxray, Kadabra, 76. Donc on est déjà mieux préparé, je pense, pour le combat que je dois faire. Je pense, je suis pas sûr à 100%, je pense. Ok. C'est pas de suite que je vais... Punaise. Pas de suite, j'aurai la deuxième étoile. Je suis à 8,5. Bon, on va voir la madame des flammes. Seriflore, c'est Seriflore qui est là-haut. Ouais, Seriflore, je pensais qu'il fallait juste le montrer. En fait, non, c'est la page Pokédex. Donc la mission Seriflore, bah, elle va attendre. C'est incroyable, t'as trouvé toutes les flammes. Génial, je vais sauver le monde. Nous allons pouvoir réparer le sceau et enfermer à nouveau l'esprit frappeur. Mais pour cela, nous devons nous rendre aux ruines brumeuses. Ah, rendez-vous là-bas à la même heure que lors de notre première rencontre. Je m'en souviens même pas. Je crois que c'est de nuit. Ruines brumeuses au marais Carmin. Ben, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Côté mission... On trie. On va faire ça. Pardon, ça. Fleur en bourgeon, Seriflore, marais carmin. Et on est à jour en fait sur les missions là. J'avais
17 elle est en haut, 21 c'est fait, la 22 elle est là-haut, et après j'ai tout. Tout est à jour des missions là. Ouais. Et la principale. Ah mais c'est lui qui l'a là. Ok. Ok, ok. Bon. Bah la prochaine fois on va terminer les flammes, donc je suppose que c'est un nouveau Pokémon. On fera évoluer Evoli en Mantali. On ira faire le combat et on s'occupera enfin du Seriflore. Ce sera la prochaine fois. On se retrouve quand? Oh bah tiens, il est censé être là. On va sauvegarder et je vous dis tout ce qu'il faut. Bon, la prochaine fois, mon dieu, ça fait une longue VOD. Je couperai pas. Ah, tiens, mais. Je pensais faire deux parties, mais non, il n'y aura qu'une VOD aujourd'hui en fait. Je vous retrouve YouTube, donc Twitch ce soir sur Borderlands avec Draken. On va commencer. Si vous n'êtes pas au courant, là actuellement, ce stream est tourné le 9 février. Il y a un Nintendo Direct ce soir à 23h avec plein d'annonces. Et je vais supposer qu'il y a une petite annonce d'Arceus parce que ce matin il y a eu un patch Arceus et je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas, donc on va voir. Voilà. Sinon, je vous retrouve demain matin Twitch pour un petit jeu indé. Et vendredi matin, on poursuit Arceus. Et normalement, il est possible que ce soit le dernier stream Arceus, sauf si on a des mises à jour avec du contenu supplémentaire. Évidemment, ça, vous le direz. Et Ando vous retrouve demain, jeudi après-midi, pour du Labyronia RPG, si je ne me trompe pas. Voilà, donc suivez les réseaux, Twitch, allez vous abonner sur YouTube. YouTube, venez vous abonner sur Twitch. Rejoignez tout le monde, le Discord. Les réseaux différents, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Pour ma part, je vais me réchauffer. J'ai un peu froid, je vais boire un café. Manger un bout aussi au passage. Prenez soin de vous, passez une bonne après-midi. A très vite. Cordialement. Bisous. Et je vais mettre un petit point d'exclamation dans le chat. Robert, vas-y, bisous. Voilà, joli. A très vite.